Le coup de gueule, c'est Christine Angot, l'inceste, mais c'est plus globalement Christine Angot. Les Français ont découvert ce personnage lors du fameux débat avec François Fillon, lorsque Léa Salamé et David Pujadas ont fait de Angot l'invité mystère de leur émission. C'est un peu l'invité mystère, c'est la pochette surprise qui explose au visage de l'invité, en l'occurrence François Fillon. Et là, pour le coup, hargneuse la pochette surprise. Hein. On était revenu aux rigeurs de la terreur quand les tricoteuses électrisaient les tribunaux révolutionnaires. Hein. Bref, c'était une sorcière, moitié commère, moitié mégère, et qui évoquait les cas d'hystérie que le bon docteur Charcot étudiait à la fin du XIXe siècle. Ici, car ici, tout tourne autour du vagin. Sauf quand il est question de son ex. Son ex, c'est le si bien nommé docteur gynéco, enfin, le doc gynéco, pardon, qui lui a ouvert des nouvelles pistes d'accès au plaisir à travers d'autres muqueuses que l'obsession centrale de Madame Angot. Angot, au fond, c'est un cas de littérature neurodégénérative. Hein. Vous savez, le syndrome de la vache folle, hein, eh bien, c'est un peu ça. C'est comme si elle était affectée d'encéphalopathie spongiforme. À côté de ces romances de Marguerite Duras font penser à la marquise de Sévigné, donc c'est vous dire le niveau de langage et de style. Et c'est un auteur qui s'est spécialisé dans l'autofiction. Alors l'autofiction, contrairement à ce qu'on croit, c'est une chose assez ancienne. La recherche du temps perdu de Marcel Proust, c'est l'autofiction avec du génie. Chez Angot, il n'y a absolument aucun génie. Mais pour autant, il y a d'autofiction. Et l'autofiction, c'est quoi chez Angot? C'est une forme d'onanisme, de femme frigide. Elle n'arrive pas. Le drame d'Angot, c'est qu'elle n'arrive pas à jouer. Or, l'écrivain, c'est celui qui fait jouir la langue. Hein. Et là, il n'y a pas d'orgasme, rien, nada, nothing, nihil. Hein. Et au fond, Angot, c'est l'accouplement bâtard hein, de degré zéro du style hein, et du stade anal de la littérature. Bref, en un mot, poubelle sans hésiter. Et pour ceux qui en ont un Saint-Nibroyeur, adieu Christine. Hein. Comme disait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Et c'est même de la merde dans une rame de papier. Au moins chez Talleyrand, la merde est dans un bas de soie. Ici, dans une rame de papier. 100 000 exemplaires vendus. Je l'ai pesé pour vous, 1,360 kg, un vrai pavé. C'est un monument de haine de soi, de francophobie échevelée, de French bashing. Hein. Son auteur, en tout cas son responsable, c'est Patrick Boucheron. C'est une espèce de bisounours dans sa variété savante, morose et révisionniste. Hein. En Union soviétique, il aurait été élevé à la dignité de maréchal des arts et des lettres. En France, il est professeur au Collège de France. Hein. Et c'est une histoire de France orwellienne. Pour Boucheron, depuis la grotte Chauvet, c'est-à-dire depuis 40 000 ans, les Français sont, je cite, des métis par vocation. Et en réalité, c'est l'histoire de France vue depuis un bateau de migrants. C'est « touche pas mon pote le Sarrasin, touche pas mon pote le Malien, touche pas mon pote l'Africain ». Je donne deux exemples, mais je pourrais en citer des milliers. Qu'est-ce que c'est que l'élection d'UKP pour les rédacteurs de cette histoire mondiale? C'est le type même du non-événement ou de l'épiphénomène. En revanche, le procès d'un esclave noir en 1446 à Pamiers, s'il vous plaît, c'est retentissant. Donc je ne vais pas m'attarder sur le bouquin, je vous renvoie au papier d'éléments, d'autant qu'il est assorti d'un dessin de Conque, de l'insurpassable Conque. Hein. Je voudrais simplement m'adresser aux jeunes gens pour ainsi dire. Je sais qu'il faut se méfier des conseils à la jeunesse. Roger Nimier disait que le maréchal Pétain s'y exerçait quelque temps. Donc c'est un genre un petit peu ambigu, les conseils à la jeunesse. Pour autant, jeunes gens, pissez et compissez autant que vous pouvez sur tous les faux maîtres qu'on vous a imposés, dont le souci principal est de vous dénaturer, de vous émasculer. Soyez fiers de la civilisation à laquelle vous appartenez. C'est la condition sine qua non pour que nous poursuivions l'aventure française et européenne. Donc pissez autant que vous le pouvez. Faites comme Gargantua qui inondait et noyait les Parisiens. Noyez ces messieurs sous les eaux, je vous en conjure, et oubliez cette horreur. 29 euros qui partent comme ça. Ouais. Et qui ne seront pas remboursés par la rédaction d'Éléments. Alléluia, mes frères, alléluia. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. L'homme existe. Hein. Et je l'ai rencontré. Et c'était comme dans une merveilleuse chronique d'Alessandro Vialat, hein, l'homme en question, donc prenait le bus 63, gonflé d'importance, il avait sa majesté et sa majuscule sous le bras, et la charte des droits sous l'autre, et il est descendu à la station du Trocadéro, sur le parvis des droits de l'homme, je vous le donne en mille, pour aller au musée de l'homme, voir l'exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme hein. ». Et c'est l'exposition la plus tarte, hein, la plus godiche de l'année, et de très loin. Imaginez « Race et histoire » du grand Lévi-Strauss, lui est commenté par la famille Fenouillard,
Godard, ou pour les plus jeunes par Danny Boone, c'est à peu près de ce niveau-là. Ou Cyril Hanouna. Ou Cyril Hanouna. Danny Boone, je préfère, parce que c'est un petit côté humoristique. Ou Marine Schiappa. Ou peu importe, hein, ou peu importe, hein, que c'est clochette au pays des merveilles, au pays de l'antiracisme. Si on n'est pas irrécupérablement abruti, comme les gens que j'ai côtoyés et croisés dans cette exposition, c'est impossible de ne pas la traverser autrement qu'en apnée, tant on y baigne dans un océan de mièvrerie saupoudré de sucre glace, dans le plus pur style sulpicien qu'affectionne tout particulièrement l'antiracisme, mais là avec une avalanche de joujoux technologiques. Et j'ajoute, pour ceux qui ne seraient pas découragés par ma chronique, que ceux qui comptent s'y rendre, de ne pas y aller surtout le mercredi, jour des enfants, mais c'est aussi, j'y reviens, le jour du maréchal le mercredi, qui aimait beaucoup, maréchal qui aimait beaucoup les enfants. Et si dimanche est à Dieu, mercredi est au maréchal. Et les organisateurs s'en sont souvenus, puisqu'ils renouent avec l'esprit pionnier et bon enfant des chantiers de la jeunesse, mais en 3D. Et c'est parce que c'est en 3D, on en oublie que c'est maréchaliste. Mais c'est maréchaliste. Alors pour moi, et jusqu'à nouvel ordre, ça sera vraiment définitivement sans les autres. Hasta luego, à la prochaine. Rappelez-vous, c'était il y a un an à peine, on faisait les beaux. On prenait des airs très avantageux. Que, quoi, comment, nous avons gagné la guerre culturelle. Oui, il y a encore beaucoup de boulot, les gars, beaucoup, beaucoup de boulot. Vous avez vu, là, les féministes, si je dis les gars, c'est parce que je vais m'adresser spécialement aux chaisières du féminisme. Quelle offensive, quelle offensive entre Balance ton porc, l'écriture inclusive, sans oublier les talibans et les talibanes qui veulent débaptiser ou déboulonner les statues. Quelle offensive, mes amis. Le nouveau macartisme est en marche. Il sera exclusivement féministe et antiraciste. Et la chasse à l'homme est ouverte, manifestement. Et on va traquer dans le langage les éléments de la domination masculine. Et on n'avait plus vu ça depuis 3 siècles, en fait. Ça nous rappelle nos chères, très chères, précieuses, ridicules. Rappelez-vous, Madame de Lafayette, l'hôtel de Rambouillet, où s'agglutinaient tous les grands noms de la très haute aristocratie, toutes les dindes de la très haute aristocratie. Et là, au passage, bonjour la domination masculine. Ces dames-là faisaient régner la terreur sur les lettres au XVIIe siècle. Faisaient régner la terreur. Molière en avait peur. Ça apparaît dans la préface des Précieuses et des Femmes savantes. Et Boileau disait de ces Précieuses que c'était une secte. Et à cette époque-là, Barbara Cartland s'appelait Madame de Scudéry. Madame de Scudéry, qui simulait des orgasmes interminables dans une orgie et une débauche de lexical. Pour preuve, son Grand Cyrus, qui est le plus grand roman de la langue française, fait 13 000 pages. 13 000 pages. En langue inclusive, ça en fait 20 000. Donc vous voyez un petit peu l'horreur. Donc c'est vraiment de la torture mentale, cette langue inclusive. Et on a l'impression que ça a été inventé, que ça a été conçu par des maîtresses d'école sadiques. Et au fond, c'est des gens qui salopent, vraiment qui salopent le français. Parce que le français, à la fin, finit par ressembler à un tissu organique cancéreux, colonisé par les métastases. Imaginez un poème de Verlaine, avec tous ces points, là, cet empilement de points. Au fond, un poème de Verlaine traduit en morse, et un morse qui serait unisexe. Eh bien, c'est ça, l'écriture inclusive. Ça veut dire adieu à la poésie, adieu à la dictée de Pivot, à laquelle j'étais très attaché. Adieu au Scrabble, c'est ça aussi son importance. Vous êtes très attaché, oui, et au mot croisé, et au mot croisé, et au mot croisé, auquel nous sommes tous très attachés. Voilà, nous sommes tous très attachés à tout ça, quoi. Donc les jours qui se préparent pour nous sont assez difficiles, puisque le féminisme punitif, la férule du féminisme punitif nous menace. Alors courage, courage les gars, courage messieurs, n'oubliez pas vos coquilles de protection. Puisque la chasse à la testicule est ouverte. Hasta luego. Le coup de gueule, c'est une maison d'édition, les éditions de La Découverte. Pourquoi ? Puisque nous, journalistes, nous sommes conduits à demander des services de presse auprès des maisons d'édition. Dès lors qu'on demande un service de presse, autrement dit un livre gratuitement à La Découverte, eh bien, le s'empresse de le refuser systématiquement et tapageusement, prétextant au nom de la lutte antifasciste, de la mémoire du capitaine Dreyfus, que sais-je d'autre, de la dictature d'Anne Frank, de la dictature du prolétariat, ou de la prévention des risques sanitaires. Alors, et de fait, c'est le principe de précaution qui commande cette tactique-là, puisqu'on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère, et c'est ça La Découverte aujourd'hui. Et le grand paradoxe de cette maison, c'est que c'est vraiment la voiture balai de la Révolution d'octobre. C'est donc une voiture balai qui est plus ou moins ruinée, quoi, mais qui est financée par le grand capital. Et c'est un peu, moi, ça me fait penser à une Trabant. Alors, les jeunes savent plus ce que c'est qu'une Trabant. Une Trabant, c'était la voiture mythique, c'était la voiture culte, c'était la seule réussite du socialisme réel. C'était
vraiment la voiture, on l'a retrouvée partout en Europe de l'Est. Et bien, la découverte, c'est la Trabant de l'édition, quoi. Mais c'est une Trabant dotée d'un turbo-compresseur capitaliste. Hein. Et de fait, l'actionnaire de cette maison d'édition, c'était un gauchiste notoire, le baron Seyer, hein, qui a revendu cette maison à une multinationale, hein, une immense multinationale. Donc, on est vraiment dans le grand capital, le groupe espagnol, enfin, plus ou moins espagnol, hein, Grupetto Planeta, hein, dont la filiale française est Editis. Hein. Et en réalité, à la découverte, donc, chez les marxistes, au fond, on sait mettre les petits plats de la Révolution dans les grands plats de la faïence bourgeoise, hein, dès lors que leurs intérêts sont en jeu. Quoi. Alors évidemment, toujours comme journaliste, on est amené à faire des entretiens avec des auteurs. Il se trouve qu'à la découverte, il y a de bons auteurs aussi. Et on a donc sollicité des auteurs. Hein, et, oh, il est pauvre, hein, les malheureux, que n'avait-on pas fait, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont pris dans la gueule, les pauvres, hein. Il y a déjà 5 à 6 ans, on a fait un entretien avec Georges Cormes, qui n'est pas n'importe qui. Je rappelle aux téléspectateurs, Georges Cormes, ministre des Finances du Liban, géopoliticien et économiste de haut vol, hein, qui s'était fait taper sur les doigts par son éditeur, hein, qu'il avait gentiment envoyé, à qui il avait gentiment dit d'aller se faire foutre. Hein. Et dans le numéro qui précède celui-là, on avait fait un grand entretien avec un auteur formidable, Matthew Crawford, hein, qui est édité par La Découverte. Et évidemment, La Découverte a fait savoir à Crawford, hein, que la maison d'édition avait été troublée par le fait qu'il avait donné un entretien à Élément. J'aime énormément ce mot troublé parce que c'est l'euphémisation typique, hein, des QBNI et des QCRE de l'extrême gauche. Dans leur esprit, ça veut dire outré, quoi. Et la prochaine étape, c'est la déportation, quoi. Et c'est vraiment quel malheur pour cette maison d'édition, puisque c'est l'ancienne maison Maspero. Alors là aussi, les jeunes ne connaissent pas, mais c'est une maison mythique, Maspero. François Maspero est un grand éditeur et un libraire aux poches totalement percées, le malheureux. Tout le monde allait lui voler ses livres. On lui volait ses livres. Tous les gauchistes, dans les années 60, dans le quartier des Latins, allaient piller sa librairie parce qu'on pratiquait à l'époque ce qu'on appelait le vol révolutionnaire. Et le pauvre Maspero, qui était un révolutionnaire, assistait impuissant à la mise à sac de ses rayons, parce que si jamais il avait protesté, on l'aurait accusé, les trotskistes l'auraient accusé dans leur jargon d'être un agent des trusts patronaux, comme on disait alors. Et l'Institut disait même de ce malheureux Maspero que c'était un commerçant de la Révolution, alors que Maspero a toujours été fidèle à ses idéaux de jeunesse. Hein. La preuve en est, c'est que sa librairie a fait faillite, hein, et il a cédé sa maison d'édition pour 1 franc symbolique, en l'occurrence 30 deniers, à ce qui est devenu La Découverte. Et La Découverte est vraiment, pour le coup, un commerçant de la Révolution. Alors certes, il y a des grands livres, il y a des grands auteurs, hein, mais noyé dans une avalanche de bluettes sociologisantes et misérabilistes, hein, où Cosette est rhabillée en beurette, hein, c'est un grand classique à La Découverte. Hein. En beurette voilée, d'ailleurs. En beurette voilée. Ouais. Maintenant, on justifie le fait qu'elle soit voilée, la beurette. Hein. Alors, pourquoi ces gens-là sont aussi intransigeants avec nous? Parce qu'ils sont en porte-à-faux, en réalité. Parce que c'est des révolutionnaires en peau de lapin. Parce qu'ils ont renoncé à la Révolution, bien sûr. Hein. Donc, ils sont obligés de produire sans arrêt des simulacres. Hein. Et en particulier, le simulacre de la Révolution, qui leur confère une sorte de légitimité, croient-ils, du moins. Quoi. Et au fond, c'est ça, et ce sera ma conclusion, c'est ça, désormais, l'antifascisme. L'antifascisme, ça n'est plus qu'un hologramme, hein, qui ne fait peur qu'à ces gens-là. Alors, comme le disait Georges Cormes, allez vous faire foutre. Hein. Et hasta luego, mes amis, à une prochaine. C'est l'occasion d'un coup de boule, hein, là c'est le cas de dire, ni coup de cœur, ni coup de gueule, mais coup de boule contre l'appropriation culturelle, hein, et un hommage évidemment au père Ubu. Rappelez-vous Uburois, le chef-d'œuvre. Merdre. Oui, mais mieux que merdre, c'est bougre de merdre et merde de bougre, hein, quoi. Et en avant, corne gidouille, en avant, corne gidouille, tudé, massacré, écorché, quoi, par les cornes d'Ubu. Uburois, le chef-d'œuvre absolu, quoi, le chef-d'œuvre de la dérision, le chef-d'œuvre de la farce sinistre, le chef-d'œuvre de l'absurde. On n'a jamais fait mieux depuis, que, en tout cas dans la fiction, parce que dans la réalité, la descendance, la postérité d'Uburois est pléthorique. Hein. Je pense évidemment d'abord à la mère Ubu, les hystéro-féministes, coupe-coupe, hein, qui veulent vraiment couper. Là. Je pense également à Junior alias hein, Bébé Doc antiraciste, qui lui veut nous trancher la langue. Hein. Ce sont vraiment des fous furieux. Quoi. Et à côté d'eux, Ubu, c'est Winnie l'ourson. Quoi. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je reviens de Dunkerque, hein, du carnaval de Dunkerque. Et tous les 5 ans, au carnaval de Dunkerque, il y a la nuit des Noirs. Et j'en étais, waouh, la vache, c'était vraiment très chaud, quoi. On est tombé sur les tontons macoutes de l'antiracisme, je veux parler du cran. Il y avait la brigade anti-négrophobie. On n'a jamais fait mieux, à mon sens. Hein. C'est des gens qui ne sont pas commodes, hein, et qui sont très sourcilleux sur le chapitre de la pigmentation de la peau. Noir, c'est noir. Hein. Noir, c'est noir. Hein.
Il n'y a plus d'espoir. Ouais, il n'y a plus d'espoir. Donc, hein. Et en réalité, ils traquent, ces gens-là traquent les Blancs, en l'occurrence moi, qui nous approprions des marqueurs identitaires d'une culture discriminée et stigmatisée, en l'occurrence les Noirs. Quoi. Ça s'appelle l'appropriation culturelle, et c'est la dernière trouvaille, la dernière invention du multiculturalisme. En gros, c'est interdire aux Blancs de se déguiser en Afro-Américain, de se déguiser en Amérindien, de se déguiser en Speedy Gonzalez, à sombrero, de se déguiser en moulin à prière tibétain, de se déguiser en sushi japonais, en bonze fluorescent asiatique. Pourquoi ? Parce qu'on spolie ainsi des cultures qui ont été martyrisées depuis la nuit des temps et on les réduit à des stéréotypes, racistes. Hein. C'est Hegel, c'est Barthes qui disait que l'histoire se répète toujours deux fois. Une première fois, elle se répète en tragédie. Une seconde fois en farce. La vérité, c'est qu'elle se répète désormais une troisième fois en farce et attrape. Alors, comme disait le père Ubu, bougre de merde et merde de brougre, allez vous faire foutre. Hasta luego, les amis. Dites-nous, vous allez nous parler de gens habillés en noir. Voilà, c'est ça, des Black Blocs dont on a beaucoup reparlé à la suite des débordements du 1er mai, de la sociologie CSP+, des Black Blocs. C'est vraiment l'intifada des fils à papa, c'est l'intifada des étudiants en prépa. Et je me suis replongé dans ce que Pasolini a écrit il y a 50 ans des 68-arts. Et Pasolini a démoli les 68-arts. Vous avez des gueules de fils à papa. Je vous hais comme je hais vos papas. Et ça nous replonge 50 ans en arrière parce que ce sont les mêmes profils sociologiques, des faux émeutiques qui ont été démasqués grâce aux comparutions immédiates. Je rappelle pour mémoire un centralien à 4 200 € par mois, le fils d'un chercheur au CNRS et, cerise sur le gâteau, la fille d'un très haut directeur financier. On se serait cru dans la chanson des Inconnus Auteuil, Neuilly, Passy, tel est notre ghetto. Pour un bad trip gauchiste, ça la foutait mal parce que ces gens-là, entre l'oral de science, un oral à Sciences Po et un partiel à la Sorbonne, brûlent des voitures. Donc surréaliste. Ce qui est fascinant avec ces gens-là, ce sont des faux révolutionnaires, de faux durs, de faux insurgés. Il faudrait presque les faire condamner pour délit d'usurpation d'identité. Révolutionnaire, s'entend. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les fils d'universitaires qui bloquent les universités. C'est ça le grand paradoxe. Pourquoi pas, après tout ? Ils ont le droit. Mais rendez vos diplômes. Hein. Rendez l'argent. Et là, on vous croira sur parole. Hein. Et en fait, on est au cœur de la reproduction sociale des élites culturelles. Hein. Et je recite de nouveau Pasolini. Il disait que de ces gens-là, les étudiants, qu'ils ne connaissent que le moralisme de papa magistrat, parce que papa est magistrat au chercheur au CNRS, hein, et que le vandalisme du frère aîné, du vandalisme conformiste du frère aîné. Voilà ce que Pasolini disait il y a 50 ans. Rien n'a changé. Comment prendre au sérieux ces gens-là ? En réalité, ils braquent des distributeurs de billets avec un pistolet à eau dans la main gauche, hein, et les œuvres de Pierre Bourdieu dans la main droite. Hein. Ils s'imaginent parce qu'ils arrachent des abribus qui vont prendre la Bastille. Hein. Alors qu'en réalité, leur révolte est indexée au prix du mètre carré dans le 6e arrondissement. Leur révolte est indexée à leur niveau de diplôme. Ce sont que des surdiplômés qui disent zut, hein, flûte, hein, froute au système. Oh mon Dieu, quelle audace, hein. Pour le lendemain réintégrer leur labo du CNRS. Alors maintenant, moi, je ne dirai plus dans les manifestations CRS-SS, je dirai CNRS-SS.